C'était fermé aussi. Cela ne me laissait plus trop le choix. On aurait dit que quelque chose cuisait encore. Je prendrais bien un échantillon gratuit. J'avais renforcé la sécurité sur la porte arrière pour qu'aucun loup Wetzel ne puisse entrer. Le verrou était fabriqué dans un chrome rare que j'avais extrait des grottes de Serenia. Il résistait à la magie et nécessitait plusieurs clés. Bien sûr, j'avais totalement oublié où je les avais mises. Les citrouilles de Daventry ont prospéré après le retour des écureuils à Avalon. Tiens, bonjour, vieil ami. Il n'y a rien d'autre à voir par là. C'est vrai. J'avais essayé de créer moi-même une salle d'évasion. Je savais qu'il y avait une clé à l'intérieur. Mais je devais d'abord me rappeler la combinaison. Ces choses sont plus amusantes à plusieurs.
Formidable, j'adore ça. De l'art abstrait. Je ne sais plus trop à quoi ça ressemblait. Était-ce violet ? Était-ce rose ? Était-ce orange ? Une petite seconde. Peut-être que ma mémoire se trompe. Était-ce rose ? Une petite seconde. Peut-être que ma mémoire se trompe. Était-ce violet ? Une petite seconde.
Peut-être que ma mémoire se trompe. Était-ce Rose ? Une petite seconde. Thank you.
Peut-être que ma mémoire se trompe. Était-ce orange ? Une petite seconde. Pardon, c'était un... Réveille-toi, Graham. Ton esprit est fort. Attends, ce n'est pas ça. Les gobelins ont prospéré dans les rochers à l'est, alors j'en restais éloigné.
Les Hobblepot et moi-même avons emprunté un sort dans le livre d'Agatha pour que l'île flottante puisse enfin flotter. Les citrouilles de Daventry ont prospéré après le retour des écureuils à Avalon.
Peut-être que ma mémoire se trompe. Était-ce orange ? Était-ce rose ? Était-ce violet ? Était-ce orange ? Était-ce rose ? Une petite seconde.